بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 127 كما نرى 127 127 كما نرى. En haut de la page on a s'exprimer. في أعلى الصفحة عندنا s'exprimer يعني عبر عن نفسه، المقصود بهذا الفعل التعبير. ثم le premier paragraphe on a je compare les personnages, les objets et les lieux. Pour le premier paragraphe on a je compare les personnages, les objets et les lieux. Je compare. طبعا نتكلم على الverbe comparer. C'est le verbe comparer. هذا فعل قارنة. C'est le verbe comparer. هذا فعل قارنة. أقارن بين شيء وشيء آخر. أو أقارن بين أشيائين في مجموعة. إذن je compare. طبعا نتكلم على la comparaison يعني المقارنة. La comparaison المقصود بالمقارنة. Je compare les personnages. أنا أقارن الشخصيات. Je compare les personnages. أنا أقارن الشخصيات. Les objets. الأشياء. Les objets. الأشياء. ثم أقارن ماذا؟ أقارن الأشياء. Et les lieux. ثم أقارن الأماكن. أقارن مكان مع مكان. أقارن مدينة بمدينة. أقارن قرية مع المدينة مثلا. على أي نتكلم عن les lieux. الأماكن. كما قلنا les objets. الأشياء. ثم les personnages. الشخصيات. Pour la première image, nous allons faire la comparaison entre ces deux personnages. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces deux personnages? Pour la première image, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ces deux personnages? إذن ماذا يمكننا أن نقول عن هاد الشخصيتين؟ Nous faisons la comparaison entre les deux. إذن نقوم بالمقارنة بين الاثنين. إذن nous comparons les deux personnages. إذن نقارن الشخصيتين. Qu'est-ce qu'on peut dire comme comparaison? إذن ماذا يمكننا أن نقول كمقارنة؟ On peut dire comme exemple. يمكن أن نقول كمثال. Sur la première image, nous voyons un homme dans la cinquantaine portant des vêtements traditionnels. إذن في الصورة الأولى نرى رجلا في الخمسينيات portant des vêtements traditionnels. Sur la première image, nous voyons un homme dans la cinquantaine portant des vêtements traditionnels marocains, un djellaba bleu et un bonnet gris. Eden, sur la première image, à la surat oula, nous voyons un homme dans la cinquantaine, nara rajoulan fal khamsiniyat, portant des vêtements traditionnels marocains, yahmil malabis taqlidiya maghribiya, un djellaba bleu, djellaba zarqa et un bonnet gris. Et un bonnet gris. Wataqiya ramadiya. Et un bonnet gris. Wataqiya ramadiya. À côté de lui, se trouve un jeune homme portant un t-shirt vert et un pantalon bleu. Et d'un à côté de lui, bijanibihi, se trouve un jeune homme, yetewajad, rajoul, portant un t-shirt vert, yahmil qamisan akhdar, et un pantalon bleu. Wasirwalan azraq. À côté de lui, se trouve un jeune homme, portant un t-shirt vert et un pantalon bleu. Et dans بجانبه يوجد رجل يحمل قميصا اخضر et un pantalon bleu وسروالا ازرق. Et donc comme on a sur la première image, nous voyons un homme dans la cinquantaine portant des vêtements traditionnels marocains, un djellab bleu et un bonnet gris. Sur la première image, nous voyons un homme dans la cinquantaine portant des vêtements traditionnels marocains, un djellaba bleu et un bonnet gris. À côté de lui se trouve un jeune homme portant un t-shirt vert et un pantalon bleu. Thomas, pour la deuxième image, qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième image? De la même façon, nous faisons la comparaison entre les deux personnages. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces deux personnages? إذن ماذا يمكن أن نقول فيما يخص هاد الشخصيتين؟ Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme comparaison? إذن ماذا يمكننا أن نقول كمقارنة؟ إذن ماذا يمكننا أن نقول كمقارنة؟ On peut dire comme exemple. On peut dire comme exemple. يمكن القول مثلا. Sur la deuxième image, nous voyons un vieil homme. Sur la deuxième image, nous voyons un vieil homme portant un djellaba assis sur une chaise. Assis sur une chaise avec une canne. Et à côté de lui se trouve un enfant debout portant un t-shirt et un short. Sur la deuxième image, nous voyons un vieil homme portant un djellaba assis
sur une chaise avec une canne. À la sourate tani nara rajul kabiran, nara rajul shaykhan, portant un jillaba. يلبس جلابة أسي طبعا نتكلم على الوغرب أسواغ فعل جلسة سلوغرب أسواغ أسي سور إن شاز أسي سور إن شاز يجلس على كرسي أسي سور إن شاز يجلس على كرسي أفك إن كان مع عصا في يدي كما نرى أفك إن كان مع عصا أو كما نقول عكاز أفك إن كان أكوتي دلوي بجانبه se trouve un enfant debout portant un t-shirt et un short. إذن بجانبه يتواجد طفل واقف portant un t-shirt يحمل قميصا et un short يحمل قميصا وسروالا قصيرا et un short. إذن كما قلنا sur la deuxième image nous voyons un vieil homme portant un jellaba assis sur une chaise avec une canne assis sur une chaise avec une canne et à côté de lui se trouve un enfant debout portant un t-shirt et un short. Alors jusqu'à l'instant, pour la première et la deuxième image, on a juste fait la comparaison entre les personnages. إذن إلى اللحظة إلى الآن على الصورة الأولى والثانية نحن قارنا بين الشخصيات. نحن قمنا بمقارنة بين الشخصيات. Pour la première et la deuxième image, on a juste fait la comparaison entre les personnages. Pour l'instant, nous passons à la troisième image pour faire la comparaison entre les objets. نذهب إلى الصورة الثالثة لنقوم بمقارنة بين أشياء. Comme nous voyons, on a deux cartables. Alors nous allons faire la comparaison entre les deux. Et de l'un, سنقوم بمقارنة بين الاثنين. On a deux cartables, comme nous le voyons. Nous allons faire la comparaison entre les deux. إذن سنقوم بمقارنة بين الاثنين. Qu'est-ce qu'on peut dire comme comparaison? إذن ماذا يمكننا أن نقول كمقارنة? On peut dire, يمكن أن نقول, sur la troisième image, on voit deux cartables. À la sourate التالية نرى محفظتين. Le premier est neuf. الأول جديد. Le premier est neuf. كما نقول هنا الأول جديد. هنا طبعا نتكلم عن لو كارطابل هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية. طبعا كما نقول في اللغة العربية الأولى جديدة أون فيغ بالأخضر. لو بخومي إنوف الأولى جديدة أون فيغ خضراء إلو سوكوند والثاني المقصود والثانية. طبعا في المؤنث نقول لا سوكوند طبعا كلمة لو كارطابل هي كلمة مذكرة إذا نقول هنا إلو سوكوند والثاني المقصود والثانية نتكلم عن المحفظة. اي دوكازيون هي مستعمله والثانيه مستعمله اون بلو اي لو سوكون اي دوكازيون اون بلو والثانيه مستعمله اون بلو بالازرق. اذا فوالا اون افي لا كومباريزون اونتر لي دو كارطابل. سور لا ترويزيام ايماج اون فوا دو كارطابل لو بروميي اي نوف اون فيغ اي لو سوكون اي دوكازيون اون بلو اي لو سوكون اي دوكازيون اون بلو. نو باسون à la quatrième image, qu'est-ce qu'on voit sur la quatrième image? Nous faisons bien sûr la comparaison entre ces deux personnages. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'eux? إذن ماذا يمكننا أن نقول فيما يخصهم? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'eux? En faisant la comparaison entre ces deux personnages, qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'eux? عاملين على مقارنة الشخصين ماذا يمكننا أن نقول فيما يخصهم كما نقول المقصود فيما يخص الشخصين. On peut dire comme exemple يمكن أن نقول مثلا sur la quatrième image nous voyons deux personnes. Le premier jeune homme portant un t-shirt bleu et un pantalon gris, il a l'air d'un signe d'étonnement et de peur. Et le second porte une chemise et un short. Il a l'air en colère. Sur la quatrième image, à la sourate Rabi'a, nous voyons deux personnes, Nara Shakhsain, le premier jeune homme portant un t-shirt bleu. Et un pantalon gris. إذن الرجل الأول يحمل طبعا قميصا أزرقا. Le premier jeune homme portant un t-shirt bleu et un pantalon gris. Et un pantalon gris.
وسروالا رماديا. Il a l'air d'un signe d'étonnement. Il a l'air d'un signe. Il a l'air d'un signe d'étonnement. Il a l'air d'un signe d'étonnement. يعني هو يبدو عليه تبدو عليه علامات الاندهاش et de peur والخوف. Il a l'air d'un signe d'étonnement et de peur. تبدو عليه علامات الاندهاش والخوف. Et le second والثاني المقصود. Et le second jeune homme والرجل الثاني. Et le second والثاني. Et le second porte une chemise et un short. Il a l'air en colère. Il a l'air en colère. Sur la quatrième image, à la sourate rabi'a, nous voyons deux personnes. Nara, شخصين. Nous voyons deux personnes. طبعا عندنا le verbe voir هنا في الرأى. Nous voyons deux personnes. Je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Nous voyons, نحن نرى. Deux personnes. Deux personnes. نرى شخصين. Le premier jeune homme, الرجل الأول, portant, كما لو نقول حاملا. C'est le verbe porter. Porter. Portant, كما لو نقول حاملا. Un t-shirt bleu, قميصا أزرقا, et un pantalon gris, وسروالا رماديا. Il a l'air d'un signe d'étonnement. Il a l'air d'un signe d'étonnement. Il a l'air d'un signe d'étonnement. هو عنده جو كما لو نقول إشارة الاندهاش. Il a l'air. طبعا كلمة l'air تعني الهواء أو الريح أو الجو أو تعني أيضا المظهر كما عندنا هنا. وممكن أن الكلمة تعني أشياء أخرى. طبعا كلمة l'air ممكن أن تعني الهواء أو الريح أو الجو المحيط بالأرض أو كما عندنا هنا ممكن أن تعني المظهر أو الهيئة. إذا عندما نقول il a l'air المقصود أنه يظهر أنه يبدو يبدو على هيئة أو يبدو بمظهر. إذا عندنا هنا il a l'air d'un signe d'étonnement هو تبدو عليه هو يظهر. إذا كما نقول هو يظهر بعلامات الاندهاش et de la peur وعلامات الخوف. Et le second porte une chemise et un short. Et le second porte une chemise et un short. والثاني يحمل قميصا et un short. وسروالا قصيرا. Il a l'air en colère. وتبدو عليه علامات القلق. وتبدو عليه علامات القلق. كما نقول هنا ويظهر في قلق. ويبدو في قلق. Pour l'instant, et sur la cinquième image, nous allons passer à la comparaison entre les lieux. Nous allons faire la comparaison entre deux lieux. الآن وعلى الصورة الخامسة كما نرى سنقوم بمقارنة بين مكانين. سنقوم بمقارنة بين مكانين. Nous allons faire la comparaison entre deux lieux. Nous allons faire la comparaison entre deux lieux. سنقوم بمقارنة بين مكانين. Qu'est-ce qu'on peut dire comme comparaison entre ces deux lieux? Qu'est-ce qu'on peut dire comme comparaison entre ces deux lieux? ماذا يمكننا أن نقول إذن كمقارنة بين المكانين؟ On peut dire, sur la cinquième image, à la sourate khamisa, nous voyons un quartier traditionnel, نرى حيا تقليديا. Nous voyons un quartier traditionnel, نرى حيا تقليديا. Où il y a beaucoup de déchets. 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 حيث هناك الكثير من النفايات. Et à côté, ou fil janib, se trouve un quartier moderne, يتواجد حي عصري. Et à côté, ou bil janib, se trouve un quartier moderne, يتواجد حي عصري, avec des rues propres, avec des rues propres, بشوارع نقية, بشوارع نظيفة, avec des rues propres, بشوارع نظيفة. Et pas de déchets, et pas de déchets, et pas de déchets, وليس هناك نفايات. Sur la cinquième image, nous voyons un quartier traditionnel où il y a beaucoup de déchets. Et à côté se trouve un quartier moderne avec des rues propres et pas de déchets. Pour l'instant, nous passons au deuxième paragraphe. Je dis ce que je vois et je compare. Je dis ce que je vois. Ana aqul ma ara. Je dis ce que je vois. Aqul ma ara. Je compare. Ana uqarin. C'est le verbe comparer. Hada fi'l compare. Hada fi'l qarana. Je compare, أنا أقارن. Je dis ce que je vois, أنا أقول ما أرى. Je compare, أنا أقارن. Comme nous le voyons, on a deux images. La première ne contient pas beaucoup de couleurs. La première image ne contient pas beaucoup de couleurs. Cela signifie qu'elle est ancienne. La première image ne contient pas beaucoup de couleurs.
Cela signifie qu'elle est ancienne. إذا الصورة الأولى لا تتضمن الكثير من الألوان. هذا يدل بأنها قديمة. هذا يدل بأنها صورة قديمة. Et donc qu'elle reflète un lieu dans un temps avancé. Et donc qu'elle reflète un lieu dans un temps avancé. هذا يدل بأنها تعكس مكانا في زمن متقدم. Et donc qu'elle reflète un lieu dans un temps avancé. الصورة الأولى لا تتضمن الكثير من الألوان. هذا يعني بأنها قديمة. Et donc qu'elle reflète un lieu dans un temps avancé. وهذا يدل على أنها تعكس مكانا. التقطت له هذه الصورة في وقت متقدم المقصود منذ زمان قديم. إذا نتكلم هنا عن مكان عندما كان في وقت قديم. Sur la première image, nous voyons des rues non organisées. على الصورة الأولى نرى شوارع غير منتظمة. Sur la première image, nous voyons des rues non organisées. إذا على الصورة الأولى نرى شوارع غير منظمة. Bondé de toutes sortes de voitures. يعني أنها مكتظة بكل أنواع السيارات. Il y a de la fumée partout. Il y a de la fumée partout. هناك دخان في كل مكان. Il y a de la fumée partout. هناك دخان في كل مكان. À cause des gaz émis. À cause des gaz émis. بسبب الغازات المنبعثة. نتكلم هنا عن الفيرب émettre. يعني أنك تبت أو تبعت. أنك تبت أو تبعت. إذن il y a de la fumée partout. هناك دخان في كل مكان. À cause des gaz émis. بسبب غازات منبعثة. Avec un manque d'espace vert. Avec un manque d'espace vert. Avec un manque d'espace vert. مع خصاص في المساحات الخضراء. المقصود بأن المكان تنقصه مساحات خضراء. مثلا حدائق إلى غير ذلك. إذن كما قلنا. Sur la première image, nous voyons des rues non organisées. على الصورة الأولى نرى شوارع غير منظمة. Sur la première image, nous voyons des rues non organisées, bondées de toutes sortes de voitures. Bondées de toutes sortes de voitures. مكتظة بكل أنواع السيارات. Il y a de la fumée partout. هناك دخان في كل مكان. À cause des gaz émis. À cause des gaz émis. بسبب غازات منبعثة. Avec un manque d'espace vert. Avec un manque d'espace vert. مع خصاص في المساحات الخضراء. Sur la deuxième image, avec des espaces verts. À la sur la deuxième, ma misahat khadra, contrairement à la première, à l'axe oula, les embouteillages disparaissent. Al-iktidadat tertafi. طبعاً نتكلمون على الغرب disparaître. Il n'y a pas de fumée. ليس هناك دخان. Sur la deuxième image, avec des espaces verts, à la sur la deuxième, ma misahat khadra, contrairement à la première, à l'axe oula, le مقصود على axe sur l'oula, les embouteillages disparaissent. الاقتضادات تختفي il n'y a pas de fumée وليس هناك دخان كما نرى et bien sûr vivre dans le deuxième espace c'est mieux وطبعا العيش في الفضاء الثاني هو احسن اذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله